l'imaginaire des Africains, les maladies sont pour la plupart causées par des sortilèges. On parle donc de maladies mystiques. Alors, comment et qui peut guérir ce genre de cas? Dieu, les plantes, la sorcellerie, quel est le secret de la guérison mystique? Maître Anaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Et avec vous, nous tenterons de trouver des questions, des réponses aux questions posées. Merci. Voilà, merci et bienvenue à vous dans ce 210. On vous dit bonjour et nos salutations les plus fraternelles. Vous remarquez que le décor ici a changé, mais nous participons, nous contribuons aussi à cette sensibilisation contre le Covid-19. Certains aussi disent la Covid-19, mais il faut qu'on s'y mette. La guerre sera, semble-t-il, longue, mais nous devons nous préparer, voilà, en respectant les mesures barrières et puis en nous faisant vacciner comme le demandent nos autorités. Alors, Maître Anaël, le secret de la guérison mystique, la question, c'est d'abord, c'est de savoir, de comprendre, c'est quoi une maladie mystique, concrètement parlant. Alors, merci, Monsieur Jazz. Ben, une maladie mystique, c'est une maladie qui n'est pas d'origine naturelle, en fait. Et c'est une maladie qui est le plus souvent liée par un sortilège ou par un envoûtement ou par un sorcier, si vous voulez bien. Donc, c'est une maladie qui ne peut pas être traitée avec les méthodes matérielles. Et donc, la maladie mystique, le plus souvent, est liée à un esprit ou à une entité. Une entité qui va venir se loger dans l'organisme de l'être humain, le plus souvent, et c'est au niveau du centre que nous appelons le plexus solaire ou le Manipura chakra dans la tradition hindoue que finalement l'entité va s'héberger. Et à partir de ce centre-là, l'entité ou encore l'esprit malfaisant va pouvoir déstabiliser tout l'organisme. Donc, étape par étape, il va commencer à créer un dysfonctionnement dans les différents systèmes de notre corps, au point d'affecter ce qu'on appelle le corps psychique et le corps invisible. Et une fois le corps psychique est affecté ou le corps vital, le mal va commencer à se ressentir au niveau du plan physique. Mais pour réussir cette opération, il faut d'abord qu'on réussisse à affaiblir d'abord l'esprit de l'individu. C'est pourquoi tout sorcier ou tout opérateur qui veut en jeter un mauvais sort ou provoquer une maladie mystique va d'abord affaiblir l'esprit de sa victime. Une fois que l'esprit est affaibli, évidemment, donc le système de défense immunitaire de l'organisme également devient affaibli. À ce moment-là, il est très facile pour qu'un microbe puisse maintenant commencer à s'immerger. Et c'est pourquoi vous constaterez que lorsque on a une maladie mystique, ça, dès que vous traitez, par exemple, si c'est les maux de tête, ben, ça va se transformer par une autre forme de maladie par la suite. Parce que le problème ici, c'est de comprendre que l'esprit qui est à l'intérieur de l'être humain et a la capacité de provoquer net, de faiblir d'abord le système immunitaire et ainsi donc de permettre à ce que plusieurs formes de maladies puissent se manifester auprès de la victime. Et pour nous, les maîtres spirituels, quand on nous apporte ce genre de cas, il nous suffit simplement donc de détecter là où est logée l'entité pour que nous puissions donc libérer la personne. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que ça va faire diversion? Je ne sais rien. Est-ce que c'est possible, par exemple, on a eu un invité ici qui nous a dit qu'il avait pu ramener la terre du séjour des morts. Ça avait suscité une polémique parce qu'on se disait ce qui est physique ne peut pas être ramené dans nos plans ici-là. Est-ce que c'est possible? Je dis déjà, c'est impossible. D'accord. Alors, si c'est impossible, la question que je vais vous poser, donc, c'est de savoir, vouloir comprendre comment on peut attaquer quelqu'un dans le plan mystique, le plan immatériel, dans des plans immatériels, et que sur nos plans physiques, on puisse ressentir ce mal-là. C'est très bien. Le problème, c'est que vous savez que dans le plan spirituel, les consciences ne sont pas séparées. En fait, nous sommes tous interconnectés. Physiquement, on a l'apparence que toi, tu es éloigné de moi et quelqu'un d'autre est très distant. Mais dans le plan spirituel, il y a donc une ramification, parce que nous sommes gérés tous par une conscience universelle. Ce qui fait que depuis chez moi, je peux évidemment me concentrer sur l'image de l'individu, même par imagination. Et dès l'instant que la concentration a été bien faite, on peut donc envoyer ce qu'on appelle par le pouvoir de l'intention, bien entendu, envoyer une énergie mystique ou spirituelle, donc qui n'est pas visible, pour atteindre finalement la personne. Et ça va atteindre au niveau du subconscient de l'individu, parce que chacun de nous est doté d'un subconscient. Et donc, si le subconscient n'est pas fermé, le subconscient étant ouvert, donc on peut influencer mystiquement une personne.
Et cette influence mystique va agir sur le subconscient donc, de la personne qu'on veut envoûter. Et après, ça va affecter son corps spirituel d'abord. C'est en premier lieu, c'est ça. Et parce que nous avons un corps spirituel, évidemment. Et quand le corps spirituel est affecté, ou le corps psychique, aussitôt, puisque le corps physique et le corps psychique sont toujours en harmonie, ce qui affecte le corps psychique va aussitôt affecter le corps physique. Ce qui signifie que quand votre corps psychique est affecté, si c'est au niveau de l'œil que je me suis concentré pour que votre œil tombe malade, dès que votre œil psychique ressent, donc est affecté, l'œil physique, évidemment, sera dérangé. Le psychique est atteint. Ouais. Je me pose la question parce que lorsqu'on meurt, on nous dit que, par exemple, l'âme se débarrasse du corps. Sinon, le corps et puis c'est l'âme qui vogue et tout ça. Alors, lorsque vous dites que l'œil mystique est atteint, sinon l'œil psychique est atteint, ou sinon une partie de l'âme, sinon de l'esprit, peut être atteint, comment ça se passe? Est-ce que l'âme, en ce moment-là, devient une âme handicapée, une âme galvaudée? Comment expliquer ça? Bon, ben le problème, c'est que des notions de âme, esprit ont été très, très, très mal présentées. D'accord. Les gens sont très souvent confondent un peu ça. On n'arrive pas bien à comprendre ce que c'est que l'âme et de faire la différence entre l'âme, l'esprit et le corps. La réalité, c'est que l'âme, c'est une entité intérieure. L'âme ne peut pas subir une maladie. L'âme ne peut pas être affectée. On ne peut pas affecter l'âme. Parce que l'âme, c'est la lumière intérieure en chacun de nous. L'âme, donc, c'est l'esprit qui est touché. Voilà. Ce qui est touché, en fait, dans l'âme, il y a ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité, il y en a triple. On a la personnalité au niveau de ce qu'on appelle la triple personnalité, donc du corps, du mental et du corps astral émotionnel. C'est-à-dire que vous avez l'autre enveloppe physique. En dehors de cette enveloppe physique, nous avons ce qu'on appelle le double éthérique, qui est donc un autre aspect de notre corps physique, mais cette fois-ci lié à des matières, si vous voulez bien, la matière éthérique. Donc cette matière éthérique ressemble à peu près à la matière physique. Et donc cette matière éthérique est animée par notre esprit, et au-dedans de lui, il y a l'âme. Donc, on ne peut pas toucher directement l'âme. Ce qu'on touche, c'est le double éthérique, c'est-à-dire la ressemblance de notre corps physique. Et donc, ce double éthérique, de la même manière que nous avons un estomac physique, nous avons également un estomac éthérique ou un corps psychique. De la même manière que nous avons un cœur physique, nous avons également un cœur psychique. De la même manière que nous avons une bouche physique, nous avons également une bouche psychique. Donc, ça veut dire que quand vous attaquez le psychisme de la personne, c'est directement la personne elle-même que vous avez attaqué. Et c'est ça que les sorciers maîtrisent, en fait. Ils maîtrisent la capacité d'influencer le double éthérique, si vous voulez bien, ou le corps psychique de tout individu. D'accord. Alors, qui est censé gérer? Qui est censé traiter? Qui est censé guérir un cas de maladie mystique? Bon, celui qui est censé guérir un cas de maladie mystique, il faudrait d'abord qu'il soit un grand initié. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait le pouvoir mystique. Il faut qu'il soit aussi sorcier? Être sorcier, ce serait trop dit. Il faut qu'il soit mystique. D'accord. Mystique, parce que quand on est mystique, ça veut dire qu'on a les mêmes compétences que le sorcier, sauf que le sorcier utilise son pouvoir psychique et mystique pour nuire. Le mystique va se servir de ce même pouvoir, cette fois-ci, pour pouvoir sauver ou guérir. Mais il faut être mystique. Si on n'est pas mystique, on ne peut pas maîtriser ça. D'ailleurs, être mystique, c'est être capable de pouvoir se projeter hors de soi-même pour comprendre comment fonctionne donc le monde hors du temps et hors de l'espace. Or, si vous n'êtes pas mystique, vous ne pouvez pas guérir mystiquement quelqu'un, parce que vous serez obligé de lui administrer juste un traitement matériel, physique, donc de la tisane, ça c'est peut-être pour d'autres, mais vous ne savez pas comment traiter le corps invisible. Or, pour comprendre comment fonctionne le corps invisible, il faut avoir une expérience dans le plan astral. C'est cette expérience qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne l'énergie vitale et comment est-ce qu'on peut émettre par le pouvoir de l'intention une énergie provenant donc du guérisseur que je suis pour pouvoir réactiver ça au niveau donc de la victime qu'on veut délivrer. Et aussi pour entrer en communication mystiquement avec l'entité qui se trouve dans le corps de l'autre. Parce que c'est un démon, c'est un esprit, vous pouvez rentrer en communication avec lui. Vous pouvez aussi rentrer en communication avec le sorcier qui a envoûté la personne pour lui dire « si tu insistes, moi je te punis ». Donc il y a une communication qui se passe justement télépathiquement. Justement, dans cette communication, il y a généralement ce que nous entendons dire, il y a des arrangements. Donc Maître Anaël peut aller vouloir guérir une certaine personne, mais l'entité qui prend cette personne-là en otage, lorsque ce n'est pas des menaces, mais vous négociez, vous faites les choses à l'amiable et puis vous livrez la victime, vous laissez simplement faire les choses. Oui, bon, c'est tout à fait normal parce que... C'est vrai, parce que très souvent, quand nous commençons à délivrer certaines personnes, il peut arriver que les sorciers qui sont responsables donc, de cette maladie peuvent venir voir l'opérateur. D'abord, ils vont te menacer parce qu'ils ne vont pas venir te voir en ami. Mais quand ils envoient leur rayon pour te menacer, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est plus puissant que eux
Ils sont donc dans l'obligation de pouvoir trouver un arrangement. Et c'est maintenant à la personne de décider si vous pensez que vous pouvez accepter la négociation. Vous vous entendez? Si vous proposez quelque chose de plus, vous lâchez la personne. Mais si vous pensez que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, personnellement pour moi par exemple, je ne négocie pas avec des sorciers, donc je continue à libérer la personne. Dans ce cas finalement, je me répète, il y a deux cas, et c'est parfois mieux comme de suivre les gens comme les pasteurs à Luna, puisqu'ils vont vous mettre dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de négociation par exemple. Oui, il y a une négociation, mais je ne passe pas, parce que je suis très loin avec la méthode christique. Le pouvoir, c'est que lorsque nous nous guérissons, moi j'ai la capacité de voir l'invisible, donc de pouvoir, dans l'invisible, le temps de l'espace n'existe pas, même quand un sorcier est très loin. Quand un sorcier est très loin, pendant que vous êtes en train de traiter, vous avez la possibilité donc, de rentrer en communication avec lui, et finalement de pouvoir, par la puissance de la volonté psychique, détruire le maléfice et anéantir le sort. D'accord, ok. Maître Anaël, avec vous, nous parlons donc du secret de la guérison mystique. Ce secret-là, à proprement parler, c'est quoi? C'est vrai qu'on a pris les détails déjà, mais est-ce qu'il y a un secret qui existerait comme ça, que vous pouvez divulguer, que le peuple du sujet 110 puisse en prendre connaissance? Oui, bon, c'est vrai, ce qui est secret est sacré, j'ai l'habitude de le dire, et dans les sens sacrés, la guérison, en fait, ne s'improvise pas. La guérison ne s'improvise pas, surtout la guérison mystique. Il faut être d'abord initié, parce que quand on est initié, on va travailler pendant longtemps le pouvoir mystique d'abord. Pour guérir mystiquement, il faut d'abord avoir un pouvoir mystique. Et le pouvoir mystique, ce n'est pas un pouvoir qui vient du ciel, qui tombe d'un seul coup. C'est un pouvoir qui se travaille. Il y a des exercices spirituels qu'il va falloir faire pour pouvoir réveiller ce pouvoir qui est en nous. Et les Égyptiens vont utiliser, donc, pour certaines traditions, on va utiliser ce qu'on appelle le prana pour la tradition hindoue. D'autres vont travailler avec le ka dans la tradition égyptienne. Et bon, en français, on parlera de l'énergie vitale. Et donc, c'est une force qu'on va travailler, qu'on va développer au fur et à mesure. Bon, on pourrait parler du magnétisme pour certaines personnes. Et à un certain moment, une fois qu'on a la maîtrise de son pouvoir spirituel, le pouvoir mystique ou le magnétisme pour d'autres personnes, on peut maintenant commencer à pouvoir transférer ce pouvoir pour pouvoir neutraliser n'importe quel mal. Et la puissance de cette énergie, c'est une énergie vitale, c'est une énergie universelle. Et c'est une énergie électromagnétique. Quand vous émettez cet rayon électromagnétique sur n'importe quel malade, peu importe le nom de la maladie, vous détruisez ce qui est à l'origine de la maladie. Même si cette maladie était naturelle, vous pouvez également guérir quelqu'un naturellement en utilisant le pouvoir mystique. Et c'est un pouvoir qui n'a pas de limite. Ce qui est bien, c'est ça. Et vous avez la possibilité également, à travers la transmission de votre rayon, d'ordonner à cette énergie de pouvoir modifier le système de fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire l'ADN. Parce que quand vous voyez le microbe, c'est un être vivant. Donc, ça veut dire que le microbe se nourrit. Voilà. Et donc, lorsque vous émettez cette énergie vitale, vous avez donc la possibilité de pouvoir communiquer même avec le microbe pour anéantir sa force. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, scientifiquement, c'est très difficile pour certaines personnes de le comprendre, mais spirituellement, ça ne pose aucun problème pour nous, parce qu'on peut, par exemple, émettre son rayon dans de l'eau simple, l'eau naturelle, et je transfère des vertus thérapeutiques à l'eau. Et quand je donne ça à quelqu'un qui est malade, peu importe sa maladie, il boit ce taux, et bien la personne est guérie. Alors, ils sont nombreux à nous suivre, très nombreux à nous suivre aussi, donc très nombreux à se poser des questions. Au nombre de questions, il y a celle qui dit ceci, lorsqu'on est malade, si l'origine de la maladie est mystique, en ce moment on dit, il ne faut pas aller à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller consulter les praticiens de la médecine moderne, c'est-à-dire il ne faut pas se faire injecter, il ne faut peut-être pas prendre des comprimés, quelque chose comme ça. Comment gérer ce genre de cas-là? Est-ce que d'abord c'est vrai, la question c'était ça, est-ce que c'est vrai? Mais puis après, comment gérer ça? Comment pouvoir savoir que bon, là c'est une maladie mystique, je préfère ne pas aller à l'hôpital? Bon, savoir cela, c'est très très difficile parce qu'on n'a pas assez d'expérience, mais il y a quand même les sens qui nous parlent. Nous avons des sens. Tout être humain est doté des sens spirituels, donc du sixième sens. Votre sixième sens peut vous parler aussi. Votre intuition aussi peut vous parler. Ce qui est vrai, c'est que c'est une vérité. Hein. C'est une vérité parce que quand quelqu'un est envoûté mystiquement, dès l'instant, on va vous injecter, ça va aggraver la maladie. Comment ça? Pourquoi? Simplement parce que dans le plan spirituel, il y aura une confrontation en fait. Parce que la confrontation est liée du fait que l'entité qui est en vous va résister. Et quand on vous injecte, dès l'instant où vous injecte, l'envoûtement va s'accélérer. C'est un piège en fait des sorciers.
Les sorciers savent que par habitude, la plupart des individus, dès qu'ils se sentent mal, ils vont se rendre à l'hôpital. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas se rendre à l'hôpital, mais ils savent ça. Et donc, ils savent que quand ils vont envoûter l'individu, la personne va se rendre à l'hôpital, mais dès qu'on va l'injecter, parce que l'injection va passer à travers le sang. Mais l'entité, quand il se trouve dans l'organisme, son problème, c'est quoi? C'est se nourrir évidemment du sang de la victime. Et donc, à ce moment-là, dès qu'on vous injecte, si on n'a pas désenvoûté la personne avant, la maladie va s'aggraver. Et si on ne fait pas attention, on va perdre la personne. C'est pourquoi, avant de se rendre à l'hôpital, si on peut, on peut prier pour ceux qui prient, c'est de se désenvoûter surtout, ou encore de faire recours à un pasteur ou à un maître spirituel qui peut essayer d'intercéder pour la victime, pour essayer de neutraliser le sort, pour que les médicaments qu'il va recevoir puissent avoir un effet dans le plan physique. Mais finalement, lorsque vous parlez des faits, moi, les questions viennent comme ça. Lorsque vous parlez des faits, vous parlez du pouvoir du pasteur, vous parlez du pouvoir du guérisseur. Finalement, les pasteurs aussi peuvent guérir aussi. Pourquoi pas? Mais parce que ça dépend. Ce n'est pas tous les pasteurs. Mais nous sommes et ce n'est pas tous les guérisseurs. Ce n'est pas aussi tous les guérisseurs. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle maître spirituel qu'on peut aussi guérir. Ça dépend parce que la magie, moi je pratique la magie, donc la magie dépend de celui qui la pratique. La prière dépend de celui qui la pratique. Donc ça dépend de chacun. Chacun a son expérience spirituelle. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une force universelle qu'on appelle la force divine qui est capable de pouvoir nous aider dans les moments difficiles. Et cette force, chacun sait comment se connecter avec cette puissance. Le guérisseur que je suis comme maître en aïeul, je sais comment me connecter avec les forces universelles et invisibles pour pouvoir libérer l'énergie vitale qui est capable de soigner quelqu'un, mystiquement bien entendu. D'accord. Alors, maladie mystique, on en parle aussi. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du Covid. Est-ce qu'on peut aujourd'hui ensorceler quelqu'un en envoyant, entre guillemets, un Covid mystique? On parle aujourd'hui de palu mystique, de sida mystique. Quelle est la pratique du sorcier ou de l'envoûteur, de l'ensorceleur dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'il fait pour transformer une maladie normale en une maladie mystique? C'est formidable votre question et c'est intéressant parce que le problème, c'est que nous sommes humains. Pour les humains, le vrai monde, c'est le monde physique. Le monde qu'on touche avec les sens. Mais pour nous, les initiés et les sorciers, le monde réel, c'est le monde invisible. Et que ce monde physique n'obéit, ne subit que l'influence du monde mystique et invisible. Donc, sur le plan invisible, j'ai déjà ici parlé de la quatrième dimension. Quand vous avez accès à la quatrième dimension, vous avez un pouvoir qui vous permet de créer ce que vous voulez. Donc, vous prenez carrément la place de Dieu. Parce que les humains que nous avons un pouvoir créateur. Chaque être humain a un pouvoir créateur. Donc, le sorcier est conscient de son pouvoir créateur, comme le mystique d'ailleurs. Et il sait qu'avec le pouvoir créateur, il peut créer n'importe quelle chose qu'il veut. Donc, les savants modernes qui créent des choses, mais ils inventent ça où? Mais c'est un pouvoir créateur qu'ils utilisent. Donc, à partir de ce pouvoir mystique, donc le pouvoir créateur mystique, on peut donc évidemment créer une maladie, un palu mystique, on peut créer une Covid mystique. On copie simplement ce qui est là et après, on utilise la force de volonté psychique, on rentre dans le plan astral et on crée la même chose, on reproduit la même chose et ça se manifestera. Ça aura les mêmes effets que ce qui est physique. Voilà. D'accord. Parce que ça se passe au niveau psychique, au niveau mental. Vous savez, au niveau de l'organisme, le corps physique est géré par le système nerveux cérébro-spinal. Mais le corps psychique qui est en nous est géré par ce qu'on appelle le système nerveux grand sympathique. C'est un système nerveux que la médecine ne peut pas maîtriser. Et nous, les initiés, nous savons comment rentrer, influencer le système nerveux grand sympathique pour que ça influence finalement le corps physique, qui est le système nerveux cérébro-spinal. Et par ce moment-là, le sida mystique peut apparaître, le palu mystique peut apparaître, la paralysie mystique peut apparaître, l'AVC mystique peut apparaître, et il n'y en aura pas assez de différences. Et quand vous allez vous rendre à l'hôpital, on va vous administrer un traitement certainement naturel, mais si on n'a même pas un appui spirituel là-dessus, ça serait difficile. Ça serait difficile. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on prenne conscience que 95% de notre monde est régi par des lois mystiques et spirituelles et que la médecine conventionnelle, malgré ses efforts, doit aussi reconnaître que dans l'histoire, les premiers médecins étaient des maîtres spirituels, notamment les Paracelses, les Hippocrates. Là, on s'en parle du serment d'Hippocrate, mais c'est un serment sacré. C'est fait au nom de qui? N'est-ce pas des forces divines et de Dieu? Donc, c'est simplement pour reconnaître qu'il est temps que la science également essaie un tout petit peu de faire recours également aux expériences ésotériques et mystiques qui sont mises en œuvre. Il faut qu'on travaille avec les chercheurs pour qu'on essaie d'aider l'esprit. Nous, on va aider l'esprit et eux, ils s'occuperont du corps. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Oui. Est-ce que là-bas, vous apprenez aussi ces secrets-là de la guérison à vos disciples?
Oui, j'entraîne les disciples par étape par étape. On les apprend d'abord à s'autodiscipliner parce que le pouvoir de la guérison, je l'ai dit, ça ne s'improvise pas. Il faut un grand travail énergétique pour pouvoir développer les centres d'énergie capables de pouvoir capter les forces spirituelles qui sont autour de nous. Et le secret est transmis à l'école, oui. Alors, les contacts de votre centre, de votre école. Bien, donc je reprends au 06 713 49 18, c'est mon numéro MTN. 06 713 49 18 et mon numéro RTL c'est le 04 473 42 20. 04 473 42 20. Bonjour Maître Naël, bonjour. Comme vous venez de le confirmer, qu'il y a possibilité avec la possibilité de pouvoir conclure un deal avec le sorcier qui devrait nuire un patient et vous qui devrez guérir puisqu'il y a entente entre vous deux. Quelle est la contrepartie sur cette action conclue? C'est la question d'un téléspectateur. Nous n'aurons pas le temps de prendre la réponse de Maître Naël, puisque nous sommes à la fin. Il y a deux ou trois autres questions encore ici. Mais voilà, on aurait dû les lire un peu plus avant. Merci beaucoup, Maître Naël, que d'être passé dans Studio 210, l'émission du peuple, dans notre rubrique à bâton rompu. Vous êtes encore ici à Brazzaville? Oui, je suis encore ici. Je quitte Brazzaville à la fin de ce mois-ci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Studio 210 continue.